c'est plus sympa. Mais là, entre ici et il y a un moment, il y aura une jonction, une route qui part à gauche. Et jusqu'à cette jonction, c'est souvent très un peu tunnel. D'accord ? Ah. Donc on ne voit rien. Ah. Ils sont passés aujourd'hui, tout va bien, mais bon, les animaux bougent. Ouais. Donc on s'arrête pas. On s'arrête pas pour pisser, etc. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans les buissons. Oh, j'ai quand même calé. J'ai calé. Il va pas aimer ça, mon frère. Mais bon, c'est comme ça. Je reste en première. Je suis un peu en sous-régime, mais je reste en première. Je suis volontaire. Mais je trouve que c'est pas très malin de passer ici, tout seul, à cette heure-là. C'est quand même une zone où, normalement, il y a des animaux. Ah, il y a quelque chose là. Ah oui, il y a un éléphant. Il y a une clairière avec des éléphants. On va essayer de le contourner, j'en ai vu deux. Moi j'en ai vu deux. Ouais. Le deuxième il est parti. Tu le vois sur la droite là ou... Non. Normalement ils n'aiment pas le bruit des moteurs des piti-piti. Il est là. Ouais. Là tu
Ça c'est la maman, ça c'est un jeune. Voilà, on est bloqué. On en a vu deux éléphants. Et on ne sait pas s'il y en a d'autres. Donc faut faire attention. On attend. On avance un peu. Avance un peu vers où ? Non. L'échappatoire, c'est là ? Ouais. Il y a un endroit bleu, là, il faut passer sur la gauche. Et puis, c'est ouvert après. C'est de l'herbe un peu comme ici, donc j'espère que ce n'est pas trop bleu. C'est parce qu'on ne sait pas combien ils sont. Entre autres, ouais. Il y a le petit qui refait demi-tour. Ouais. Quelle charge, on a moins de 10 secondes. Hein. Bon, faut qu'on trouve une solution parce qu'il fait nuit dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, le monsieur a dit ne bouge pas. Je crois qu'il revient. Ah. Une bonne centaine de mètres de route où on ne les voit pas. Et ils sont par là. Donc on reste vraiment ensemble. Et on ne s'arrête pas. C'est pas comme les bisons dans le mélotone. Quoi qu'il arrive, tu restes sur la moto. Si elle charge, par exemple, il vaut mieux, et que tu n'as pas d'échappatoire, il vaut mieux la charger. Toi, que de te barrer à pied. Faut rester sur la moto. Faut essayer de la bluffer, faut essayer de rester sur la moto. T'es ok avec la stratégie ? Oui. Dans un premier temps, on va là où j'étais. Oui. Pour réévaluer la situation.
Bref. Hop, 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 hop. J'ai fait un peu piégé là. Je m'en suis bien sorti. Est-ce qu'il y a des hippos? Non, j'en vois pas. Donc ça, c'est la route où on a été mangé. Et ça, c'est la route qu'on a déjà pris qui ramène. Les éléphants, c'est social. Donc généralement, donc là, même sur le kilomètre de descente, là, ouais. On poire pas. On est go. Mais en même temps, on fonce pas. On est... oh, ouais. Eh ben, Derek. Eh ben. Hop, hop, hop. Et hop. Ça passe partout, ces motos. Les petites motos, c'est incroyable, incroyable. Faut dire que le pilote est chevronné. ~500 km maximum d'expérience, peut-être même seulement 400 ou 300. Ah.
Et voilà. Ça passe, ça passe. Ça ne glisse pas trop. Heureusement. Hop, attention. C'est là que tu m'attendais le premier soir ? Hein ? Ouais. Et c'est là qu'on est monté, tu sais, pour... Ouais, j'ai pas reconnu la piste. Là où il y a l'étang, là, le réservoir. Ouais. Oh. Là, on a continué tout droit pour aller manger avec Chamundra. Et on a eu de la chance, tu sais. Elle n'était pas agressive. Non, pas du tout. Ça pouvait être un mâle en chaleur, une most. Ça aurait pu être un groupe de 15. Bien sûr. Donc c'est le genre de truc, tu vois, si tu joues à la loterie pendant assez longtemps, ben, tôt ou tard, tu gagnes. Quand on est reparti, tu les as revus ? Non. Non. C'est quoi comme animal ? Waterbuck. Un waterbuck. C'est une antilope. Hein. D'accord. On va au village ? Une antilope. On peut aller au village. Ouais. On va dire bonjour. Elle se regroupe pour la nuit. Magnifique. Et là-bas, il y a des gnous. Boom. Nelly Kitty, la maman d'Andrew, se fait construire une extension derrière sa maison.
Sa maison est à gauche. Et là, il y a une extension. On dirait que c'est une chambre. Et donc pour l'instant, ils ont bien avancé avec l'ossature, une ossature bois. On reviendra dans 2-3 jours pour voir l'évolution. Et après, va falloir remplir avec de la terre mélangée avec de la bouse de vache. Et ça deviendra comme ça.